que tu n'as pensé, tu n'as pas pensé à toi seulement, tu as pensé à tout le monde, n'est-ce pas? Dans ce pays, il faut penser à tout le monde. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Hein? Donc, comme elle a demandé l'intérêt général, la santé pour tout le monde, je lui dis, tu l'as. Mais en plus, elle a l'intérêt particulier. L'intérêt particulier, regardez. Donc, c'est ça le Gabon de demain. Ce pays nous appartient, n'est-ce pas? Qui a choisi d'être Gabonais? Qui a choisi de naître au Gabon? Qui a choisi de naître dans le Suez? Qui a choisi de naître dans le Haut-Okoué? Qui a choisi de naître dans le Moyen-Okoué? Qui a choisi de naître dans la Founier? Qui a choisi de naître dans la Nianga? Qui a choisi de naître dans le Koué-Evido et dans le Koué-Lolo? Qui a choisi de naître dans le Koué maritime et le Ouélène-Nef? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays béni de Dieu, le Gabon est un pays béni de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu nous montre qu'il a béni ce pays? Hein? Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus? Hein? Mettre l'amour au pouvoir? Oh, vous êtes en retard. Vous êtes en retard. Mais Dieu a déjà décidé que le 30 août, c'est Amour qui doit diriger ce pays. Il a décidé, non? Alors, il y en a qui disent que je m'appelle Moïse. Il y en a qui disent que je m'appelle Moïse, n'est-ce pas? Mais je vais ajouter mieux. En Égypte, Moïse a été élevé par qui? Par le pharaon, non? Moïse a été élevé par le pharaon. Moi, j'ai été élevé par qui? Par Congo, non? Bon. La ressemblance s'arrête là. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Égypte, Moïse a dû lutter contre le pharaon, n'est-ce pas? En Égypte, Moïse a dû lutter contre le pharaon, n'est-ce pas? Alors, au Gabon, pharaon, connaissant ce qui s'est passé en Égypte, il a dit, mon fils, je ne peux pas tout faire. Je n'ai pas pu tout faire. Le président Léon Obama a dit, fais ça. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais moi, je veux faire mieux que Pharaon. Je te désigne, toi, Baobab, pour combler, pour corriger tout ce que je n'ai pas pu faire.